RFM. Le petit monde d'Anthony. Bonjour Anthony. Coucou les copains. Coucou Anto. Hello. Alors on commence avec les élèves de la Starac qu'on adore. Ah hein, oui, ça se passe bien. C'est vrai que c'est une très bonne saison qui commence à bien démarrer, mais maintenant, parce que ça a commencé très très doucement quand même. Hein. Alors parmi les élèves favoris, il y a Maceo, super élève à la Starac, un petit peu moins en culture G. Hein. C'est quoi les puricultrices? Tu es puéril comme une puricultrice. Bah attends, mais ça cultive quoi les puricultrices? Allez, dormir. Ouais, enfin aller dormir, ouais. C'est mieux. Après, il a sûrement peut-être confondu agricultrice et puéricultrice. Oui, bah ça se ressemble un je peu. Je me demande si tu te fous pas de ma gueule un tout petit peu. Ah bah oui, un tout petit peu. On va partir sur W9 afin d'en retrouver l'émission des 50. Où 50 candidats emblématiques de télé-réalité s'affrontent dans des épreuves. Alors il y a une candidate qui a triché, elle s'est confiée à une autre candidate qui l'a répété à deux autres candidats, mais personne ne sait finalement qui est là tout. Bref, mais Eddie, lui, essaye de tirer les vers du nez de Colette. Je te dirai pas qui c'est. À moi? Oui. Je veux pas que ça sorte, c'est promis. Quand je promets, je dis pas, je dirai pas. Tu peux faire tout le travail que tu veux, je ne le dirai pas. Eddie, je ne lui dirai jamais. C'est-à-dire que j'emporterai ce secret dans ma tombe. Alors tu peux complètement l'emporter dans ta tombe, parce que non seulement on s'en tape, mais en plus, ça ne nous dérangera pas du tout. Donc vraiment, mets le houtin au vide, ton secret, c'est pas du tout notre problème. Voilà. Anthony, il est mesuré, Anthony est un garçon toujours mesuré. Toujours les choses avec recul. Beaucoup. C'est son atout. En parlant de télé-réalité, on va s'intéresser maintenant à Beverly. Beverly, c'est une ancienne candidate de télé-réalité que j'adore. Bon, alors après, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais elle est quand même très sympathique. En revanche, elle aussi a un niveau culture G. Bon, bah, c'est pas folichon. 8 ou moins 3 5. Ouais, pas mal. Pas mal. Là, c'est même plus de la culture G. Hein. Pas mal. 8 moins 3, c'est pas non plus une question à 1000 balles. Hein. Tu vois, on va se calmer. Si t'es pas trop con, si t'as assez de doigts, normalement, t'es censé y arriver. Bref, la suite est meilleure. Qui a écrit Les Misérables? Jean de La Fontaine. Victor Hugo. Oui! Yeah! Non, en fait, je suis pas si con que ça. Pas si con que ça, un petit peu quand même. Non, léger. Non, elle s'est bien rattrapée. Elle s'est bien rattrapée. On l'embrasse parce que je l'aime beaucoup. Un petit mot sur Aurélie Preston. Comment va-t-elle pour terminer? Écoutez, pour terminer, ça va très bien, Aurélie Preston. Hein. Alors, hier soir, en revanche, elle était un peu triste, Auré. Elle avait pas le moral. Quand vous voulez être une femme de Dieu, le diable va essayer de venir vous disqualifier. Aujourd'hui, j'apprends que j'ai une saisie. Je savais pas que le diable bossait aux impôts. Ah ouais. Donc genre on en apprend tous les jours. Hein. On a hâte d'être la semaine prochaine pour reprendre les nouvelles. C'est ouais. Que le diable est passé par là. Oui, mais hein, le voilà. Diable mais parfois faux, hein. Ouais. Bosse aux impôts, ça c'est vrai. Bravo Anthony Ruiz, il est sur RFM tous les matins.